La semaine dernière, nous nous sommes rendus au salon du survivalisme et on est allé voir les choses qu'on pouvait y acheter. Il y avait déjà des vêtements pour se protéger des attaques au couteau. Des t-shirts avec une doublure Kevlar, protecteur contre la coupure de lame. Si vous voyez la doublure, alors ça s'appelle du Spectra, qui permet notamment, même en termes de perforation, d'avoir une résistance aussi au niveau du couteau. Un tour de cou qui est à la fois anti-coupure et anti-feu. Et là, par exemple, c'est pour les cocktails Molotov. Il y avait aussi un arc à poulie, donc beaucoup plus performant qu'un arc normal, pour pouvoir chasser son propre gibier. Ce genre de produit, généralement, est plutôt fait pour du moyen et du gros gibier. Sur un arc à poulie, on va dire, en général, on va sortir entre 300 et 360 km/h. Et avec ça, un spray pour camoufler son odeur d'humain et mieux approcher les animaux. Enfin, il y avait un kit de purification de l'eau. Vous avez avec soi des pastilles de purification d'eau effervescente. Si vous n'avez plus de pastilles, vous avez au moins la possibilité de faire bouillir et de rendre potable 10 à 15 litres d'eau.